L'étude de l'humain ne se consacre pas uniquement à la physiologie, à la chimie de l'humain, à l'endocrino, ou à la neuro, ou à la psychologie, mais c'est un ensemble. Notre corps est composé de centaines de milliards de cellules. Et chacune de ces cellules est composée de centaines de milliards d'atomes. Et tout ça, ça marche ensemble, en cohésion. On ne parlait pas encore de médecine intégrée à l'époque. Mais les gens ne cesseront jamais de faire appel aux guérisseurs et aux guérisseuses. Aujourd'hui, nous sommes au CHU de Montpellier. Nous nous rendons dans le service d'algologie et de psychosomatique. Nous allons rencontrer les docteurs Abosolo et Gignès, qui vont nous parler de la gestion de la douleur, mais qui vont également nous parler de médecine intégrative. C'est un service assez révolutionnaire. Je vous invite à me suivre, ils nous attendent. Je m'appelle Olivier Abosolo, j'ai 57 ans et j'ai obtenu mon diplôme de doctorat en médecine en 1991. À cette époque, j'ai débuté comme médecin généraliste et urgentiste. Je travaillais essentiellement en SAMU et aussi dans les rapatriements sanitaires. Et puis, bon gré mal gré, pour pouvoir obtenir un poste de direction dans cette société de rapatriement d'assistance médicale internationale, en fait, il fallait que je fasse un diplôme de spécialiste. Et donc, pour cela, je suis allé me former en anesthésie et réanimation au CHU de Liège. À cette époque-là, j'étais un médecin fraîchement sorti du moule, donc toutes les thérapies naturelles, alternatives, homéopathie, phytothérapie, aromathérapie, tout ça, ça n'avait pas de sens, je ne connaissais pas du tout. Et la médecine conventionnelle représentait l'unique médecine possible, c'est celle que j'avais apprise et j'en voyais pas d'autre, surtout en médecine d'urgence. Et en fait, c'est en allant me former dans cette médecine conventionnelle plus spécialisée, en anesthésie réanimation, que j'ai découvert l'hypnose appliquée à l'anesthésie et à l'analgésie au CHU de Liège, dans le service des grands brûlés, où le professeur Marie-Elisabeth Fémonville débutait des études sur l'hypnoanalgésie et l'hypnoanesthésie dans les bains de grands brûlés. Et là, j'ai découvert tout à fait un monde différent, une approche thérapeutique différente. À ce moment-là, eh bien, ça m'a ouvert un peu à autre chose. Et comme je suis de nature curieuse, on va dire ça comme ça, eh bien, je suis allé me former en médecine naturelle tout en continuant mon cursus conventionnel en homéopathie, phytothérapie, aromathérapie au Centre NEMI, qui est un institut de médecine énergétique et naturelle à Tournai. Je suis le docteur Patrick Gignès et je m'occupe de ce service qui s'appelle Centre d'évaluation et de traitement de la douleur, donc au CHU de Montpellier, à l'hôpital Saint-Éloi. Alors, ça a été créé il y a 42 ans, donc on est un des plus vieux services de France, peut-être après Strasbourg et Paris. Mais le professeur Roquefeuille, qui avait créé ce centre, était anesthésiste-réanimateur. Je suis moi-même anesthésiste-réanimateur de formation. J'ai fait radiologie, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait 15-20 ans d'anesthésie, surtout d'ailleurs des femmes enceintes, où je faisais beaucoup de péridurale. Et bizarrement, c'est la concentrée de douleur aiguë de la péridurale qui m'a peut-être poussé à m'occuper de la douleur chronique, parce que les centres antidouleurs, c'est se passionner pour essayer de soulager les gens qui sont atteints de maladies douloureuses chroniques. Je suis Sylvie Galland, je suis cadre de santé de l'unité d'algologie et psychosomatique du CETD de Montpellier. Je suis dans le service depuis un an et demi. J'ai été infirmière pendant près de 25 ans et je suis cadre de santé depuis 8 ans. Au bout de quelques années, j'avais envie de soigner différemment, de plus faire des soins type des pansements, des prises de sang. Je voulais faire autre chose, prendre une dimension différente. Et c'est vrai que cette approche ici dans ce service me permet de travailler plus dans mes convictions de valeur de soignant. Avant, je le faisais aussi, mais maintenant, je trouve que ça complète complètement mon expérience. Je m'appelle Françoise Alcazar, je suis aide-soignante et je m'occupe dans ce service d'algologie de l'approche psychocorporelle en fait. Au fur et à mesure de mon parcours, j'ai lâché un peu plus la technique, l'instrumental, pour me centrer plus sur l'être. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, eh bien, je suis allé vers la relation thérapeutique, notamment par le biais de l'hypnose, de la méditation et des soins spirituels.
Et maintenant, eh bien, j'ai arrêté l'anesthésie de bloc opératoire depuis 2017 pour me consacrer à cette approche thérapeutique qui est placée dans l'être, dans l'individu et dans la relation entre un thérapeute et un patient par le biais de la méditation thérapeutique. Et c'est dans ce cadre que j'exerce ici au centre douleur de l'hôpital Saint-Éloi à Montpellier. Ce service m'a beaucoup appris à prendre le temps de faire les choses et à prendre soin de soi. Ce que l'on oublie souvent avec tout ce que l'on nous demande d'être très réactif, d'être compétitif, de vite faire les choses. Avec Internet, tout va très vite. Et là, en fin de compte, on retourne le miroir vers soi et on se dit, mais en fin de compte, on a le temps et on peut prendre le temps pour soi, c'est qu'on ne se le donne pas. C'est très instructif pour les patients et très enrichissant pour les soignants aussi. Je crois. Ce sont des infirmières, alors quand elles arrivent ici sur l'unité, elles ont une expertise de soignante, de technicienne, et c'est vrai qu'elles doivent acquérir différentes spécialités, type la psychologie, tout ce qui est les diplômes DU douleur, diplôme universitaire douleur, pour vraiment comprendre tous les mécanismes de la douleur. Et il y a un gros travail psychologique par rapport aux patients pour pouvoir s'adapter et adapter la technique que l'on va utiliser pour pouvoir prendre en charge le patient. Et elles ont une finesse d'esprit et une analyse très fine par rapport à ça, très approfondie. On est quatre sur l'unité psychosomatique. Donc un médecin psychosomaticien, une psychologue et une infirmière. Ils doivent avoir au minimum 3 soins pour valider l'hospitalisation de jour. Bon, ça, ce sont des questions techniques de financement hospitalier purement pratico-pratique. Et on a un staff le lundi matin de 1h30 où on parle des patients qu'on a vus dans la semaine ou qu'on va voir dans la journée ou dans la semaine. Et en fonction de ce que chacune d'entre nous, parce que là, on n'est que quatre filles, mais chacune d'entre nous avons ressenti, pensé de la personne ou d'où elle était, de comment elle avait vécu le soin ou pas, voilà. On décide d'une méthode à suivre, en fait, de quelque chose à faire. Donc du coup, c'est soit elle aura une relaxation, des fois il y a des personnes qui ne veulent pas être touchées du tout. Donc du coup, on peut faire une insulinothérapie ou de la relaxation. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout accessibles à la relaxation. Et dans ce cas-là, on va passer plutôt aux approches corporelles. Je m'appelle Ginger, j'ai une sclérose en plaques. Et en 2018, j'ai eu un gros accident sur mon pied et qui m'a amené à passer énormément de temps en rééducation à la Malou. Et ce pied me fait souffrir énormément. Quelqu'un m'en a parlé du service de la douleur, de la douleur au sein du CHU. Saint-Éloi. Et je suis venue passer une semaine dans ce service. C'était extraordinaire. J'ai connu M. Géniès, Mme Vesperini et les infirmières. Et nous avons eu pas mal de différentes méthodes utilisées dans le groupe. On était 6 ou 7. Musicothérapie, méditation, relaxation. Et moi, en plus, j'ai bénéficié d'une méthode, c'est des électrodes qu'on pose sur ma jambe. Ça s'appelle le TENS, T-E-N-S, ou le TENS. Et je suis sortie de cette semaine, mais enchantée par le service, par les soins apportés et le bénéfice que moi j'ai pu récupérer de mon séjour dans l'hôpital. Donc moi, je m'appelle Stéphane, j'ai 52 ans, je suis un ancien sportif de haut niveau en gymnastique. Après, vers mes 20 ans, après, j'ai fait beaucoup de sport, triathlon, VTT, etc. Pas mal, beaucoup, un peu trop d'ailleurs. J'ai enseigné le ski aussi, donc j'ai pris beaucoup sur toutes les articulations, les genoux, le dos. J'ai brisé 4 cervicales, donc je suis resté près d'un an limité.
Et depuis, j'ai beaucoup de mauvaises reconstructions au niveau des cervicales et de la colonne. Une période difficile, très difficile, avec beaucoup de douleurs. Je suis monté en dosage en tramadol. La limite étant de 200, je suis monté à 300 mg. Puis des profilines, des anti-inflammatoires en plus, des antidépresseurs. Et tout ça était compliqué parce que j'avais psychologiquement, il a fallu m'apprendre à m'apprécier de nouveau, à voir que j'étais quelqu'un de différent et que les autres m'appréciaient. Ça, c'est une étape difficile. Accepter en partie la douleur. Et puis, essayer de limiter la dose des médicaments. Je suis venu lui voir M. Boussolo et il m'a dit on va essayer non pas d'enlever tous les médicaments, mais au moins de limiter le surdosage. C'était son challenge. Et aujourd'hui, un an et demi après, ça a marché. La guérison, elle est multifactorielle. Là où ça commence à friter un peu, c'est quand on va choisir les facteurs. Parce que vous en avez qui vont dire, les facteurs, oui, c'est le traitement, c'est le médecin, c'est l'hôpital où on est soigné. Allez, à la limite maintenant, c'est l'alimentation, ça tout le monde est à peu près d'accord. C'est la manière dont on vit, le stress, ça je pense que tout le monde est d'accord. Puis après, si vous abordez justement la guérison, elle dépend de nos pensées, de nos émotions. Elle dépend de notre spiritualité, de notre manière d'être et de faire avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. Là, ça commence un peu à coincer là. Alors, si vous allez encore plus loin et que vous dites que la guérison, elle dépend aussi de notre relation à Dieu, là, ça ne va plus. Ce qui est sûr, c'est que la guérison est multifactorielle. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il n'y a jamais personne qui a guéri quelqu'un. Tout ce que vous pouvez avoir autour d'un patient, médecin, acupuncteur, énergéticien, chirurgien, médicaments, chimiques, homéopathie, phytothérapie, aromathérapie, même les guérisseurs, et d'ailleurs je trouve que ce mot est inapproprié, ce sont simplement des facilitateurs de guérison. La preuve en est, c'est que vous avez des personnes pour lesquelles vous allez mettre tous les moyens disponibles en œuvre et qui ne vont pas guérir. Et vous avez d'autres personnes qui sont dans des états pathologiques graves, pour qui on ne fait rien, et qui vont guérir. Qu'est-ce qui fait que les uns ne guérissent pas alors que tout est mis en œuvre pour qu'ils guérissent, et que d'autres guérissent alors qu'il n'y a aucune intervention extérieure? Beaucoup de patients nous disent, alors quand je serai guéri? Je ne sais pas. Il faut rester dans ce vide. Parce que ce vide permet la nécessité d'une création par le patient, par moi, par la relation. Donc la guérison, les psychiatres disaient, de surcroît, elle viendra. Quand il s'est passé quelque chose d'une harmonie nouvelle entre lui et lui, entre lui et le soignant, et presque même, dans une façon nouvelle pour le soignant, de reconsidérer sa plainte. Vous savez, Jean de La Fontaine disait, la douleur est plus forte que la plainte est plus forte que le besoin est plus forte que le désir. Donc, il y a toujours une gradation. Pour certains patients, c'est l'inverse. La douleur est plus faible que la plainte est plus faible que le besoin, et le besoin est plus faible que le désir. Donc vous voyez que chaque personne a une construction unique de sa souffrance. C'est comme quand on regarde une situation, on peut l'avoir de plusieurs façons. Et c'est pareil, c'est comme faire un pas de côté et regarder ce qui peut être fait différemment. Faire un pas de côté et pas être centré sur... Même s'il faut qu'ils soient centrés sur eux-mêmes, puisque de toute façon, il faut qu'ils apprennent à se connaître pour pouvoir changer leur comportement. Mais du coup, de regarder de notre côté, ça peut aider à se sentir mieux. On guérit quand des configurations, des constellations d'actions, de compréhension, d'aide, d'empathie aussi, d'empathie sincère des soignants, se mettent en bonne vibration. C'est donc difficile à programmer. Mais il faut être modeste et optimiste sur le patient. Guérir quand vous avez un mal de tête, que vous prenez un cachet, que ça passe, vous pouvez dire que vous êtes guéri. Quand vous avez une céphalée chronique, c'est plus compliqué. Et on fait aussi de l'hypnose ici. Vous avez Katerina Régis qui fait de l'hypnose, qui fait de l'hypnoanalgésie et qui fait sur plusieurs séances. Et donc du coup, elle aussi, elle apprend aux personnes à se prendre en charge.
c'est essayer de plus les assister, en fait, de façon à ce qu'ils puissent devenir autonomes. C'est pas toujours facile, mais voilà. Le but, il est là, c'est qu'ils puissent avancer tout seuls et du mieux possible. La douleur physique, on peut les changer. J'ai mal au dos, j'ai mal à la tête. Ainsi, on peut en parler. On peut donc se faire comprendre. Et elle masque peut-être, cette carapace de torture, masque peut-être des souffrances ineffables, inexprimables. Donc, il y a une économie de la douleur, intrapsychique, sociologique. La société est tellement dure actuellement que le seul moyen de se protéger d'une société qui demande beaucoup à chacun de ses membres, c'est de dire stop. On ne peut pas dire stop, je ne veux pas travailler, donc on dit stop, j'ai mal au dos, je suis mal. Et de fait, ça va réellement aggraver le symptôme d'un lumbago. Il faut savoir qu'une dépression multiplie par deux une douleur d'arthrose. Et ce n'est pas inventé. Jamais toute douleur est réellement vécue. Même si elle paraît simulée, elle cache par cette simulation une souffrance encore plus enfouie. J'ai mis en place une évaluation en mettant un programme de méditation collective une fois par semaine, sur 3 semaines, et en proposant aux participants de méditer tous les jours 5 à 10 minutes, pas plus, 5 à 10 minutes par jour. L'évaluation a été réalisée sur 1 an et demi, sur plus de 270 patients. Elle a montré une diminution de la douleur de plus de 34%, alors que plus de 60% des personnes expérimenter pour la première fois la méditation. Et à côté de cela, on avait aussi une amélioration de tous les symptômes cliniques associés. C'est-à-dire une amélioration sur le plan de la fatigue, de la concentration, de la mémoire, des troubles du sommeil, une diminution de la prise médicamenteuse, etc. Je me dis, tiens, c'est peut-être une bonne piste. Alors cette évaluation, je l'ai faite en 2017 et 2018, elle continue. Je continue à la faire. Parce que ça me permet de me dire, tiens, est-ce qu'on peut raccourcir le temps? Tiens, est-ce qu'on peut faire différemment? Tiens, est-ce que c'est la même chose si on met simplement un enregistrement audio et pas une personne? C'est cette pratique méditative que je propose aux patients, à savoir la méditation cœur, lumière, amour, compassion, que j'appelle tout simplement méditation thérapeutique. Mais encore une fois, c'est qu'un moyen. Parce que qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui soigne, si on veut dire, c'est l'état méditatif en lui-même. Parce que dans cet état méditatif, on se connecte à ce champ unifié, on se connecte à cette énergie de vie, à cette intelligence de vie qui, elle, sait ce qu'il y a à faire pour que vous alliez mieux et qui ne va plus avoir besoin de discuter avec votre tête, avec votre intellect, mais va discuter directement avec votre conscience qui est reliée à elle et qui est dans votre corps et qui est dans chaque cellule. Voyez ? C'est bien que dans l'état méditatif, il se produit une auto-régulation ou une auto-équilibration automatique, intelligente et qui tout le temps fait exactement ce qu'il y a à faire à un moment donné pour une personne donnée. C'est pour ça que la méditation a des effets bénéfiques, thérapeutiques, dans toutes les pathologies, que ce soit en cardiovasculaire, en neurologie, en psychiatrie, en pédiatrie, en gynéco, en cancérologie. En fait, c'est très simple. Il suffit d'aimer. Mais oui, il suffit d'aimer, il suffit de s'aimer. Et quand je dis s'aimer, encore une fois, c'est pas Pamela et Sullivan dans les feux d'amour, non. Il suffit simplement de se relier à l'essence de la vie, qui est en fait le respect et la bienveillance. Je ne sais pas si on peut parler de guérison. On n'a pas toujours des patients qui repartent zéro douleur, en douleur chronique. Ils peuvent avoir moins mal, avoir pas mal du tout pendant un moment. Et c'est pas quelque chose qui va se pérenniser souvent dans le temps. Ce qui se passe, c'est qu'ils apprennent à vivre avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils sont. Il y a des personnes qui vont avancer très très vite dans le temps, qu'on va voir sur quelques rendez-vous, et puis d'autres qu'on va suivre pendant plusieurs années. Et la temporalité, elle n'est pas la même d'une personne à l'autre. Et le but, c'est qu'ils arrivent en fait à vivre au mieux avec ce qu'ils ont comme maladie et comme douleur chronique qui peut ou pas se guérir forcément. Notre corps est composé de centaines de milliards de cellules. Et chacune de ces cellules est composée de centaines de milliards d'atomes. Et tout ça, ça marche ensemble, en cohésion. Les êtres humains, dès qu'ils sont plus de deux, il y a un moment où ça bug. Et là, ça ne bug jamais. C'est nous qui faisons bugger.
C'est comme la nature. Regardez la forêt amazonienne. Mais si on la laisse tranquille, elle vit, hein. Elle est là depuis des millions d'années, elle sera encore là pendant des millions d'années si on la laisse tranquille. Mais quand vous voyez toutes les espèces de plantes, d'insectes, d'animaux, de toutes sortes qu'il y a dans la forêt amazonienne, et ça vit en harmonie, parce qu'il y a cette intelligence de vie. Donc forcément, si on introduit la notion d'âme, peut-être que cette âme, c'est un des facteurs régulateurs qui va dire « je veux ou je ne veux pas, je fais ou je ne fais pas ». C'est aussi peut-être cette partie de nous qui est reliée à ce champ unifié, mais qui est reliée pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, et qui est reliée à une vie antérieure où on a peut-être ramené quelque chose qui reste pesant et qui pèse encore dans cette vie-ci, et qu'on a peut-être à guérir par la maladie. Là, ça renvoie à la notion de karma qu'on retrouve chez les orientaux. Je pense qu'on n'aura jamais fait le tour de l'être humain, comme on n'aura jamais fait le tour de l'univers, comme on n'aura jamais fait le tour du divin. Parce que ce n'est pas un fil que l'on suit, c'est un globe, une sphère dans laquelle on est. Donc oui, l'âme intervient dans la guérison, mais de quelle manière, à quelle fréquence, ça je pense que c'est propre à chacun. Mais la guérison se trouve aussi bien au niveau du corps physique que du corps énergétique et que du corps spirituel. C'est pour ça que quand on parle d'alignement dans la médecine spirituelle, cet alignement, c'est quand notre corps physique, notre corps énergétique et notre corps spirituel rament dans la même direction. C'est pour ça qu'on ne peut pas se dire être spirituel et ne pas prendre soin de son corps physique. C'est incohérent. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas dire prendre soin de son corps physique et puis maltraiter les autres émotionnellement ou mentalement, ou ne pas avoir d'activité spirituelle. Il y a un truc qui ne va pas. C'est cet alignement, ce centrage qui nous permet de rester dans l'équilibre. Et l'équilibre, c'est la santé. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. La santé, c'est un état d'équilibre qui confère un état de bien-être complet sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, social et spirituel. Et quand on est dans cet équilibre, eh bien, on reste dans notre zone de confort. C'est ce que permettent de faire eh bien, les thérapies corps-esprit, à savoir l'hypnose, la relaxation, la méditation. Ça nous permet d'éviter les pics, soit vers le haut, vers le bas, et de rester autour de cette ligne d'équilibre dans une zone de confort. L'étude de l'humain ne se consacre pas uniquement à la physiologie, à la chimie de l'humain, à l'endocrino, ou à la neuro, ou à la psychologie. Mais c'est un ensemble, donc un regard multifacette. Qu'on doit concentrer ce regard multi-point de vue sur une seule consultation, la première, qui va être cathartique. Cette rencontre avec un patient complexe qui est dans l'incompréhension. Nous aussi, on est dans l'incompréhension. Mais ensemble, on va peut-être harmoniser quelque chose de mon inconscient qui essaie de le comprendre et de son inconscient qui essaie de se comprendre pour essayer d'améliorer le futur de ce patient. Et ça, c'est une intégration dans le temps et dans l'espace, dans les différentes spécialités et les différentes actions thérapeutiques qui peuvent parler de diététique, de sophrologie, d'hypnose comme on fait ici, de massage comme vous avez vu ce matin avec certains professionnels. Ils peuvent venir aussi de groupes de patients entre eux, mais aussi de thérapeutiques que j'appelle plus symboliques. Symbolique, ça veut dire qu'il y a des techniques dont on ne peut pas prouver scientifiquement leur efficacité, mais dont on sait qu'elles agissent sur des endroits du cerveau qui sont sensibles à la magie. Non pas que c'est ésotérique, mais comme les Africains savent que la transe fonctionne, que le groupe peut guérir des gens, on a cette notion que des scénarios, des échanges, parfois sur le modèle de l'échange presque théâtral, il se joue du théâtre dans la compréhension de l'autre, par un professionnel. Eh bien, ce théâtre, c'est aussi une forme d'existence dans la relation médicale. C'est nouveau, ça. On n'applique pas quelque chose de protocolisé, d'informatisé. On essaie de créer une relation avec deux acteurs et de créer un scénario et de créer un film qui va peut-être être une remémorisation du film antérieur du patient pour proposer une programmation sur ses prochains épisodes du film. Donc, c'est une intégration complexe qui ne peut pas être décrite de façon univoque.
Chaque patient aura son menu, le film qu'il préfère. Et la façon dont le réalisateur, c'est-à-dire peut-être une part le soignant, l'équipe soignante, que ce soit l'infirmière, d'ailleurs, nous, on est à l'égalité. L'aide-soignante que vous avez vue, les infirmières que vous avez interrogées, les praticiens que vous avez, qui vous avez échangé, tout ceci constitue à égalité, chacun dans leur niveau, une capacité d'harmoniser une relation qui est désharmonique, mauvaise harmonie, dans les différentes couches neurologiques du patient. Il y a beaucoup de résistance dans le corps médical pour ce type de prise en charge. Pourquoi ? Parce qu'on vient de passer les 30 glorieuses, c'est-à-dire l'économie flamboyante, le progrès sans limite et la guérison des médecines modernes qui sont miraculeuses. Là, on est redescendu. Le miracle n'existe pas. Il y a une constante dans la sociologie, dans tous les pays européens où il y a des études qui ont été faites, il y a 17% de la population qui est atteinte de maladies douloureuses chroniques. Et c'est-à-dire que ce chiffre est un... on ne peut pas le réduire. Que ce soit en Afrique ou dans le 16e arrondissement à Paris, quel que soit le niveau de confort de soins ou de confort culturel, il y aura une souffrance à peu près sur ce chiffre-là de gens. Il n'y a pas de proportionnalité d'ailleurs entre la gravité physique. Je suis allé dans des camps de réfugiés en Afrique, on voit des gens écrasés sur des mines, les pieds broyés, ils viennent se plaindre d'une douleur d'estomac, ou ils ont besoin d'empathie. On ne souffre pas à la hauteur de ce que le corps se dégrade, heureusement. Sinon on meurt de suite dans des camps de réfugiés, dans des camps de concentration. Donc cette souffrance-là, il faut comprendre qu'elle est consubstantielle de la vie. Alors on essaie d'apaiser. Figurez-vous que le centre de la douleur existe, on croit parce que c'est éthique de soulager les gens. Mais en fait, il y a deux événements qui sont mesurables, surtout les Américains, c'est vraiment qu'ils les ont mesurés, c'est que utiliser l'action médicale, comme je la décris, de façon intégrative, multipolaire, multifonction, multisouffrance, dans une relation thérapeutique, c'est permettre une économie de santé dans l'année qui suit la prise en charge. Dans les centres antidouleurs, c'est aussi un facteur d'économie de santé et d'absence de iatrogénie, c'est-à-dire des infiltrations, des opérations, des scanners inutiles, qui ne montrent pas la logique perturbée du patient dans son informatique, pour parler moderne, est défaillante dans les contrôles de la douleur. Donc le deuxième élément n'est pas qu'économique, c'est qu'un patient à qui on a pu donner une écoute telle que je la propose dans la médecine intégrative, telle qu'on l'a toujours cultivée dans le centre de la douleur à Montpellier depuis 40 ans, c'est un patient qui va moins parasiter son entourage. Et ce n'est pas lui qui va dire « j'ai moins mal », c'est l'entourage qui va dire « ah, il me semble beaucoup plus intégré, beaucoup plus à même de participer à la vie sociale et familiale ». Lui, il a souvent, le patient dans la douleur chronique, 10-20 ans de douleur, le seul moyen d'exprimer sa souffrance, c'est la sédimentation, la cristallisation sur la douleur. Donc on ne peut pas lui enlever brutalement, il faut doucement atterrir pour que cette plainte devienne moins exubérante. C'est la fonction de la médecine intégrative. Alors il y a des fois des succès, mais il faut... Nous, on se méfie quand les gens guérissent trop vite. On est content quand la guérison parvient, mais il faut que le patient ait passé cet état de conscientisation, de mentalisation, des réinterprétations de sa vie. Ce n'est pas une psychanalyse, ce n'est pas la psychothérapie, ce n'est pas la médecine générale, mais c'est un peu tout ça. C'est de la médecine que j'appelle symbolique. Je suis particulier dans ce type de caractérisation de tout ce qu'on fait d'intégration, de ce que fait M. Abosolo, ce que fait nos médecins relaxothérapeutes, hypnothérapeutes, nos infirmières. Dans ma formation, sortie du moule de médecine conventionnelle et médecine orientiste, quand j'ai lu ce, les bains de gros brûlés, donc on frotte les pieds, etc., c'est vraiment très douloureux. Se faire avec une personne consciente, j'ai dit non, c'est pas possible, j'ai pas cru. Et donc après, j'ai été reconfronté plusieurs fois, et j'ai dit ah oui, c'est possible. Donc ça, ça a été voilà, une grande ouverture qui s'est faite à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que je me suis tourné vers l'apprentissage de la médecine naturelle, homéopathie, aromathérapie, phytothérapie. Et ensuite, sur le plan des soins énergétiques et spirituels, oui, c'est à un moment donné où... alors, il y a eu deux événements. Il y a eu un premier événement qui a eu lieu dans un service de réanimation, où il y avait un jeune homme qui était polytraumatisé. Et j'étais de garde pour la nuit. Et ça me faisait trop de peine de voir ce jeune homme partir comme ça. Et je me dis, bon, allez, il faut essayer de faire de sorte que ça puisse, qu'on puisse le sauver, quoi. Et puis, en fait, au fur et à mesure de faire des changements dans les paramètres des appareils, dans les médicaments qui étaient injectés, bien sûr, ce patient était
en coma artificiel, hein, son respirateur, etc., eh bien, son état diminuait progressivement. Et d'ailleurs, quand j'avais pris ma garde, le responsable de service a dit « Bon, là, malheureusement, je ne pense pas que ça va aller très loin encore. » Ils avaient déjà discuté avec la famille pour un bon organisme. Et en fait, quand je suis parti me coucher vers 4h du matin, je disais « Bon, voilà, il n'y a plus rien à faire. » Et avant de partir, j'ai parlé à ce jeune patient qui était dans le lit. Mais c'était plutôt des mots qui sortaient de mon cœur et que je voulais libérer comme, voilà, comme pour libérer ma tristesse ou accepter ce que je vivais comme un échec. Et j'ai dit à ce patient, voilà, moi je trouve que c'est dommage que tu partes si tôt. C'est vrai que tu as peut-être fait une bêtise sur la route, mais voilà, tout le monde en fait. Et puis j'avais vu sa famille sortir avant lors des visites. Et je dis, voilà, puis il y a tes parents, et puis ta petite sœur, elle a besoin d'une petite sœur, elle a besoin de son grand frère. Ouais, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Je suis parti me coucher. Et en fait, le lendemain, il était toujours là, les paramètres étaient stables. Et deux ou trois mois après, je ne sais plus trop, je me rendais dans le service de chirurgie orthopédique pour aller voir un patient, pour faire une consultation de pré-anesthésie. Et j'entends le nom de ce patient. Tiens, donc je rebrousse chemin et je m'en vais voir et je vois dans la chambre, je rentre, alors je ne l'ai pas reconnu parce que quand il était en réanimation, il était gonflé de partout, etc. Mais j'ai regardé sur la pancarte et j'ai vu son nom et il discutait avec l'infirmière qui était là. Et j'ai dit, pardon, vous êtes bien le jeune homme, vous avez eu un accident en moto, vous êtes tiens. Il dit oui, c'est ça. J'ai dit, ah bon, bah, écoutez, vous vous souvenez certainement pas de moi parce que je suis étudiant en anesthésie et donc j'étais de garde un soir il y a 2 mois et vraiment je suis content de vous voir comme ça, je suis content que vous ayez pu récupérer, c'est génial pour votre famille et puis aussi pour votre petite sœur que j'avais vue, c'est super, j'étais vraiment content. Et à ce moment-là, ce jeune homme, il me regarde fixement, il a un grand sourire et il me dit « Oui, oui, Olivier, je me souviens très bien de vous et merci pour les mots que vous avez eus. » Alors là, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'il était sous coma artificiel, intubé ventilé, enfin, un œdème cérébral. Enfin bon, c'était de manière raisonnée et raisonnable, c'est impossible qu'il puisse entendre quoi que ce soit. Je me suis dit, non, là, c'est qu'il y a autre chose. Est-ce que c'est pas possible? Comment ça se fait? C'est pas possible. Et donc, comme je suis de nature curieuse, et surtout, je n'aime pas rester sur quelque chose que je ne comprends pas, eh bien, j'ai lu, j'ai cherché, et en fait, ça m'a ramené à la spiritualité, à la notion de l'âme, à la notion aussi d'une conscience qui ne se trouve pas au niveau du cerveau ou du corps, mais qui se trouve reliée à autre chose, mais qui fait partie de nous. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, je me dis, bon, tiens, il faudrait que j'aille voir un peu de ce côté-là, parce que peut-être qu'il y a des gens qu'on pense ne pas pouvoir guérir ou qui ne guérissent pas parce que ce qu'il y a à équilibrer ou à réguler se trouve au niveau de l'âme et pas seulement au niveau du corps physique ou du corps émotionnel ou du corps mental. Chaque rencontre est quelque chose qui va m'apprendre quelque chose. Donc je crois que c'est cette recherche de la compréhension intime d'un patient, de son histoire, de sa culture, sur 2-3 générations qui est l'aspect passionnant et qui fait que 40 ans après, je suis toujours passionné par ça. Ce que l'on fait ici, c'est apprendre à vivre avec sa douleur chronique. Nous, on essaye de leur apprendre à vivre avec cette douleur chronique, avec cette maladie chronique, et de les accompagner pour qu'ils apprennent à mieux se connaître et pouvoir, quelle est la meilleure méthode pour eux de pouvoir gérer cette douleur. Quand on arrive à diminuer ou accepter cette douleur, ou l'évacuer en partie, l'handicap physique n'est pas toujours dégradant pour le corps. C'est, il limite certaines choses, mais il y a encore plein de choses qu'on peut faire et il faut savoir en profiter. Je n'ai pas eu cette pensée positive dans la guérison avant de rentrer. Oui, non, je ne savais pas ce que j'allais faire pendant une semaine. Et j'étais très, très, très dépressive avec mon pied est très moche. J'avais souffert énormément, donc... je ne savais pas du tout ce que j'allais faire pendant une semaine. Donc, avoir cette pensée positive en rentrant, non, je ne l'avais pas. Je l'avais en sortant. Voilà. Et c'est en sortant que j'avais cette pensée positive, en me disant, il y a d'autres choses
qui peuvent m'aider à ne pas avoir cette haine contre mon pied. Je me rappelle mes premières méditations, le docteur Abosolo nous demandait d'imaginer une lumière qui pouvait partir dans notre corps. Ben, cette lumière ne pouvait pas aller dans ma jambe gauche, jusqu'à mon pied. C'était bloqué, il ne pouvait pas aller jusqu'en bas. J'étais, non, tu ne seras pas jusqu'en bas, voilà. Et avec le temps, j'ai réussi à que cette lumière aille jusqu'à mon pied. Donc, je me suis ouverte à la possibilité que cette méditation et cette possibilité d'imaginer une lumière confortante, pleine de bienveillance, pouvait descendre à mon pied et l'envelopper de bien pour m'aider. Mais il a fallu du temps. Hein. Au fur et à mesure de mon parcours, j'ai lâché un peu plus la technique, l'instrumental, pour me centrer plus sur l'être. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, eh bien, je suis allé vers la relation thérapeutique, notamment par le biais de l'hypnose, de la méditation et des soins spirituels. Et maintenant, eh bien, j'ai arrêté l'anesthésie de bloc opératoire depuis 2017 pour me consacrer à cette approche thérapeutique qui est placée dans l'être, dans l'individu et dans la relation entre un thérapeute et un patient par le biais de la méditation thérapeutique. Et c'est dans ce cadre que j'exerce ici au centre douleur de l'hôpital Saint-Éloi à Montpellier. Alors l'hypnose au bloc opératoire, c'est ce qu'on appelle l'hypnoanesthésie hein, ou l'hypnocitation, qui est maintenant bien connue hein, et assez répandue maintenant en France, alors à l'étranger depuis très longtemps, mais maintenant aussi en France, avec des formations d'infirmiers anesthésistes, de médecins anesthésistes à cette pratique. Mais à l'époque, c'est vrai que fin des années 90, il n'y en avait pas beaucoup qui le pratiquaient. Hein. Je me suis formé auprès de Marie-Elisabeth Fémonville qui a réinitié l'hypnose dans l'anesthésie parce que c'est ce qui était utilisé avant les années 50. Avant l'avènement de l'anesthésie générale avec les produits chimiques, c'était l'anesthésie loco-régionale couplée à l'hypnose et qui était la méthode d'anesthésie opératoire, hein, y compris pour les interventions lourdes. Et en fait, moi j'ai pratiqué l'hypnoanesthésie dès 1998-99 quand j'étais au centre hospitalier universitaire de Lille et notamment dans l'application de prothèses endobiliaires chez des patients qui avaient notamment des cancers à un stade évolué. Et cette pratique, j'ai pu l'évaluer parce qu'on s'est rendu compte qu'en pratiquant l'hypnoanesthésie au lieu d'anesthésie générale chez ces patients-là, eh bien, on diminuait forcément le temps de séjour à l'hôpital parce qu'ils pouvaient repartir le jour même, alors que d'habitude, sur les CGRL, ils devaient rester passer la nuit parce qu'ils avaient beaucoup de mal à se réveiller. On doublait aussi le nombre de patients que l'on pouvait passer en une journée, ce qui était intéressant parce que la liste d'attente, le temps d'attente pour ces patients diminuait, et on diminuait aussi le coût des transports, etc., etc. Sinon, après, vous allez retrouver maintenant plein d'études notamment en Belgique, à Liège, ou aussi maintenant aux États-Unis, en Angleterre, sur l'intérêt et le bénéfice de l'hypnoanesthésie appliquée au bloc opératoire. Parce que je pense que ça reste un choix. Ce n'est pas qu'une technique, hein. C'est une manière d'être aussi. Il y a plusieurs façons de pratiquer l'hypnose. Soit on la pratique comme une technique anesthésique ou analgésique, et dans ce cas-là, on passe à côté d'énormément de choses. Et en même temps, on prend un risque important parce que c'est comme si on vous apprend à tourner le volant d'une voiture, mais pas à freiner. Vous voyez ? C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose, ben, vous ne savez pas forcément comment réagir. Ensuite, ça doit rester un choix libre. On pourrait apprendre tout hein, en médecine, mais il y a déjà tellement de choses à apprendre que si vous voulez avoir une connaissance assez approfondie ou des bases solides pour faire ce que vous avez à faire, forcément, ça va passer par, je ne vais pas dire pas une spécialisation, mais une orientation. Il y a des gens qui sont faits pour être dans la technique. Et il y a des très bons chirurgiens qui ont ce qu'on appelle aux mains d'or, qui font ça très bien, et qui ne sont peut-être pas formatés pour la relation thérapeutique.
Et par contre, vous avez des médecins qui sont très à l'aise avec l'être, avec l'émotion, avec les sentiments, mais qui, par contre, pourront pas enfiler un fil dans le chat d'une aiguille. Ce qui est important, c'est que chacun puisse se sentir à l'aise et en accord avec la pratique qu'il va pouvoir offrir aux patients qui se trouvent en face de lui. Un exemple de l'intérêt de la médecine intégrative, c'est-à-dire d'associer à la fois les thérapies conventionnelles et les thérapies alternatives, c'était une dame, c'était entre 2005 et 2007, je travaillais dans une clinique de Béziers, donc tout proche de chez vous. Et un jour, le chirurgien viscéral qui travaillait là reçoit un appel en disant d'une dame qui, en fait, devait être opérée, avait un cancer du sein. C'était une dame âgée qui avait un cancer du sein, même aux deux seins, et elle devait se faire opérer. Mais quand on a fait le bilan cardio, donc le bilan cardiologique, pour voir si son état permettait de bénéficier d'une anesthésie générale, on s'est rendu compte qu'elle avait un rétrécissement de la valve aortique qui était très serré. Et donc, les anesthésistes qui devaient l'anesthésier pour son intervention du cancer du sein ne voulaient pas l'anesthésier parce qu'ils disaient avec un rétrécissement pareil, on n'arrivera pas à la réveiller. Et donc, ils disent il faut d'abord opérer sa valve aortique. Mais quand elle est allée en service de chirurgie cardiaque, on a dit mais nous, c'est pas possible parce que comme vous avez un cancer du sein et que pour une intervention du cœur, on fait ce qu'on appelle une circulation extracorporelle, c'est-à-dire qu'une machine va prendre le relais du cœur le temps que le cœur est à l'arrêt, le temps que le cœur n'officie plus son rôle de pompe, eh bien, vos cellules cancéreuses vont aller dans cette machine, puis elles vont être redistribuées dans tout le corps, et ça risque de créer des métastases partout, en fait, de faire circuler ces cellules cancéreuses dans l'ensemble du corps. Donc, c'était un porte fermée de chaque côté. Et donc, cette dame appelle en disant, voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de m'opérer sous hypnose de mon cancer du sein ? Donc elle a dit, bah oui, c'est possible. Donc je l'ai rencontrée, je lui ai présenté la chose. Et en fait, on a fait deux interventions, hein, un premier sein et un deuxième sein trois semaines après, sous hypnoanesthésie. Et ensuite, elle a pu se faire opérer de sa valve aortique. Donc c'est, on va dire, l'arrivée ou la complémentarité de cette technique qui a été plus complémentaire, elle était alternative, qui a permis de sortir d'une impasse thérapeutique. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais vous citer plein d'exemples où, pas que l'hypnose, mais l'homéopathie, l'aromathérapie, la méditation ont permis de sortir d'une impasse thérapeutique ou alors permis de diminuer les effets secondaires des traitements conventionnels de sorte qu'ils pouvaient rester prescrits parce qu'ils étaient efficaces mais qu'ils ne pouvaient plus être supportés. C'est ça l'avantage d'avoir plusieurs cordes à son arc. Quelle serait, d'après moi, l'évolution de la médecine ? Je pense qu'elle sera ce que sera l'évolution de notre conscience. On ne peut plus maintenant séparer l'évolution de l'agriculture, de l'évolution des technologies, de l'évolution des relations humaines, parce que tout est lié. C'est l'évolution de notre conscience humaine qui va faire que ce monde va continuer ou non. Il en est de même de la médecine. Soit on reste dans cet état de matérialité, d'individualité, de peur de la mort et de la maladie, et à ce moment-là, la médecine de demain, elle va être pire que celle d'aujourd'hui. Ça va être la même avec tous les effets secondaires, des coûts pharaoniques et puis peu de résultats. Comme va l'être l'agriculture si on continue avec les pesticides, les herbicides, comme vont l'être les relations entre les hommes, et les femmes, si on continue dans cette ségrégation de race, de culture, de sexe. Par contre, si on laisse notre conscience évoluer vers plus d'amour, de respect, de bienveillance, bref, si on se raccorde simplement à cette intelligence de vie qui est là, tout autour de nous, et qui est maintenant, et en plus, palpable, tangible, grâce à des mathématiciens, des physiciens qui ont pu la révéler à notre raison, à notre intellect, si on va vers cette dimension,
d'amour, de respect, de bienveillance, ben, la médecine de demain, elle sera formidable, à la fois conventionnelle et alternative. Mais il n'y aura plus deux médecines ou trois ou quatre, cinq médecines, il y aura une médecine qui prend soin de l'humain, dans le respect de soi et des autres et de la nature. Et il en sera de même de l'agriculture. Et il en sera de même des relations humaines et de l'enseignement, et etc., etc.